Hey, salut à tous et à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi. Et avant toute chose, je tiens à remercier mon bro Bokuni, voilà, qui vient de m'offrir un cadeau. Donc en pleine vidéo, deux cadeaux les gars. Donc voilà, on est là, le petit pro du ballon avec le petit skin. Et également les gars, le skin du coup qui a gagné sur notre Discord. On le rappelle hein, les gars, donc si vous voulez venir et gagner le skin LeBron James, donc le pack entier LeBron James, et ben vous avez tout simplement aller sur le Discord, aller dans l'onglet giveaway 3 et du coup de cliquer sur le petit emoji en bas. Donc voilà le petit emoji, vous avez juste à cliquer dessus, vous êtes éligible pour le gagner. Donc sur ce les gars, merci encore du coup à Bokuni pour les deux petits cadeaux. Voilà, donc le deuxième qui est bugué par jeu du ballon, mais merci énormément. Et on se retrouve du coup pour le défi, déployer des nanites extraterrestres partout ailleurs que Holy Archery. Du coup, il y a 3 nanites à déployer. Je vais vous montrer du coup des emplacements pour les obtenir rapidement et faire le défi le plus vite possible. Sur ce, let's go directement pour les emplacements. Et voilà du coup les gars pour le premier emplacement de nanites. Donc, alors il faut savoir que les emplacements de nanites sont vraiment très aléatoires, mais... du coup vous allez pouvoir avoir énormément de chance d'en avoir. Donc là où je suis à Corny Complex, alors je vous avais déjà fait des tutos et ça se confirme encore bel et bien. À Corny Complex c'est vraiment l'endroit donc où il y a le plus de spawn de nanites. Donc généralement vous allez voir donc le bâtiment juste ici, donc le bâtiment rouge, le bâtiment également où je me situe et le bâtiment en face. Donc voilà, c'est les 3 bâtiments où vous êtes quasiment sûr à 90% je pense d'avoir une nanite. En tout cas avec Bokuni on a suffisamment fait de game pour assurer le fait qu'il y en ait quasiment tout le temps à ces endroits là. Et en tout cas du coup on a la première nanite qui se situe juste à côté, donc on peut voir le premier bâtiment et donc on voit Bokuni également qui est là. Donc hop, on a la petite nanite et on va donc en déployer une sur les 3 qu'on doit déployer. Donc hop, vous avez juste à la lancer et du coup le déploiement de nanite est fait. Donc voilà, 1 sur 3 les gars. Et voilà les gars, du coup le deuxième emplacement pour les nanites. Alors vous pouvez en avoir du coup à Weeping Wood. Alors vous pouvez regarder un petit peu sur tout l'environnement. Donc il y a une nanite juste ici. Donc moi personnellement j'en ai trouvé dans le coin, d'accord. Donc vous pouvez en avoir un petit peu partout. Il suffit de fouiller un petit peu, ok. Alors... je reviens également sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à côté de Corny Complex, il y a bel et bien beaucoup de nanites, parce que en fait, j'ai tourné la vidéo avec Bokuni, et d'un seul coup, on voit un mec arriver en même temps, spawn en même temps que nous, et il va dans un bâtiment, il ressort et déploie 3 nanites devant nous, à lui seul, en fait, il a déployé 3 nanites, et du coup, en fait, il a validé le défi devant nous. Malheureusement on n'a pas eu de bol et nous on n'a pas eu le temps de déployer les nanites qu'on aurait pu éventuellement choper s'il les avait pas eu. Donc vraiment Corny Complex c'est validé, il y a beaucoup de nanites là-bas. Et là du coup je vais déployer la deuxième nanite devant vous. Et voilà. Donc voilà, on est à 2 sur 3. Et voilà les gars, donc du coup troisième emplacement, sauf que là c'est un petit peu spécial parce qu'on a trouvé une nanite du coup pas loin, donc juste à côté ici à Lazy Lake. Et en fait juste à côté il y a Bokuni qui m'a dit viens vas-y on ouvre vite fait ici les chiottes et bam il en a trouvé une encore. Et bam, donc en fait quand on va la ramasser on en a deux, on a deux nanites là actuellement. Donc Lazy Lake approximativement bon loot aussi pour avoir du coup des nanites. Et on va du coup finir le défi en déployant nos deux dernières, même si finalement il nous en fallait plus qu'une pour avoir du coup 3 sur 3. Alors, et voilà, on déploie ici et ici. Et voilà les gars, du coup le défi est terminé. N'hésitez pas en tout cas les gars, si ça vous a aidé, à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. En tout cas on se retrouve dans nos prochaines vidéos. N'oubliez pas encore une fois le concours dans la description pour gagner le skin LeBron James du coup gratuitement. Donc voilà, on a nos deux petits skins, c'est pas mal. Et du coup les gars, on se retrouve dans nos prochaines vidéos. C'était Ekar, ciao.